وسادة صوم رمضان. نعم. حكم زكاة الفطر واجبة مستحبة مباحة مكروهة محرمة؟ واجب على الصغير أو الكبير أو الذكر أو الأنثى أو الحر أو العبد، على الكل، ذكر أنثى صغير كبير حر عبد، كل من غربت عليه شمس آخر يوم رمضان تجب عليه زكاة الفطر. لو أسلم قبل المغرب في آخر يوم رمضان وغربت عليه الشمس وجبت عليه زكاة الفطر، بشرط أن يكون له لديه كفاية في هذه الليلة عن قوت عياله. فرضها النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام. Donc il est obligatoire de s'acquitter de cette aumône pour toute personne sur laquelle le soleil s'est couché, le soleil du dernier jour du mois de Ramadan. Et ça inclut les petits, les grands, les hommes, les femmes, tout le monde. Même si une personne se convertit à l'islam avant de coucher du soleil de ce jour-là, il lui est obligatoire donc de s'acquitter de cette aumône-là, à condition qu'il ait suffisamment pour lui. En tant que terme de nourriture pour lui et les personnes dont il a l'obligation de subvenir à leurs besoins pour pouvoir s'acquitter de cette aumône. Maqdar zakat al-fitr. La quantité de cette aumône-là, quelle est-elle? Vous ne sentez pas cette zakat al-fitr? Maqdar zakat al-fitr. فتح الله عليه صاع من طعام. نعم احسنت. صاع سي 4 فواس كو مترو تو سيما دو نوريتور. الصاع اربع امداد. نعم. طيب صاع من طعام قمح شعير زبيب تمر ريزن ساك بالذات وتصح من قوت البلد اي aussi ce qu'on a des denrées alimentaires dans le pays dans lequel طعام على الذي يسمى عندهم الطعام لا الكسكس مكرونه ديبات سباكيتي نعم يذكر الشيخ العلمي رحمه الله تعالى من صحه غايه C'est vrai, on a dit que ce genre de nourriture est valide pour vous, cette aumône. Bien. طيب هل يجوز ان تخرج مال؟ نعم. Est-ce qu'il est autorisé de sortir cette aumône-là en argent? هل المسألة اختلفت يا علماء؟ Cette question fait partie de celle dans laquelle les savants ont divergé. الشيخ العلمي رحمه الله تعالى لا يجوز، والدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم قال صاع من الطعام. Cheikh Rajab Rahmullah soutient un avis qui ne tolère pas cela, car le prophète alayhi salam a déterminé la nature du tourment qui mettra la nourriture. إذا كان هناك ناس اخترعوا فتوى عالم إمام وأخذوا بهذه الفتوى وأخذوا زكاة الفطر مال. S'il existe des surtout des personnes qui ont été convaincues par la vie juridique d'un imam, d'un savant, qui tolèrent la succession de son argent. نذكر لهم فتوى الشيخ العلمي رحمه الله. نظام الفتوى للشيخ العثيمين رحمه الله. إن أخذوا بها الحمد لله، وإن لم يأخذوا أخذوا الفتوى العالم لأنهم يثقوا في دينه وعلمه بهذا العالم الإمام، فنقول أن هذه الزكاة على هذا القول صحيحة. نعم. Si ils prennent en compte la parole de Cheikh Al-Athaymi, tant mieux. Là, c'est pas vrai qu'ils s'obstinent à suivre l'avis du savant dans lequel il a sa confiance, qui veut s'assurer de sa piété. Alors, on dira qu'en fonction de l'avis sur lequel il se repose, leur aumône est valide. Quelle est la sagesse dans cette aumône, cette fête de la rupture du jeûne? Quelle est la sagesse? Non.
فتح الله عليك. نعم. إطعام فقير. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أغنوهم في هذا اليوم عن السؤال. إغناء الفقراء في يوم العيد عن السؤال. La sagesse résident dans la parole du prophète alayhi salatu wa sallam, dans laquelle il dit aux gens de dispenser les pauvres, de mendier, de demander ce jour-là, le jour de la fête de la nature du jeûne. Deuxièmement, deuxième sagesse, adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Je n'ai pas demandé pourquoi je dois sortir la zakat, je l'appelle parce que je suis un esclave d'Allah Ta'ala et je l'adore à travers ce qui m'a demandé cela. Troisièmement, d'une purification du jeûneur, des futilités verbales et dans ses actes qu'il a pu accomplir durant le jeûne. Obligatoirement, le jeûneur dans son jeûne va trouver des choses qui vont amoindrir son jeûne comme parole futile d'un mauvais acte du même genre. Et ça, tu sais que le dîn al-islam dit que les gens utilisent le عيد بمعنى الطاعة بالاستيقاظ أول النهار بالبكور لا ضياع أوقات ولا معاصي ولا غيرها. لا يوجد انسان ناجح في حياته يستقبل اول عام بالسهر وضياع الاموال وبمنكرات المعاصي والشرك وغيرها. نعم، هذا دليل ان هذه الامه امه موفقه تستقبل العيد بصلاه الفجر بالطاعه بالصدقه بالاستغفار، تستقبل اول العيد بالاستغفار اول النهار. دائما الذي لا يسهر ويستقبل السنه بان يستيقظ مبكرا هذا ناجح في حياته، اما الذي يستقبل عيد كذا من السهر والضياع فهو فاشل. نعم. Et cela me fait indiquer à quel point cette communauté qui est la nôtre a reçu la parole d'Allah, la réussite, car elle donne à ce jour-là son importance et elle l'accueille et elle va vers lui à travers l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Elle se réveille tôt en accomplissant les prières à l'heure et en obéissant à Allah subhanahu wa ta'ala. Et ceci fait partie des signes qui indiquent la réussite. Car toute personne qui va au-devant d'un jour important se prépare à l'avance, se couche lourd, ne va pas veiller et pour rater le moment de ce rendez-vous-là. Donc elle va tout faire en sorte pour que ce jour important, elle va le préparer afin de le passer de la meilleure façon. Quand une personne, quant à la personne qui va passer la nuit en veillant, une personne qui va gâcher ses obligations, ses devoirs, et qui ne va pas donner un jour important l'importance qui lui est due, c'est une personne qui a échoué, une personne qui est loin de la réussite. Quand est-ce que cette aumône, celle de la culture juive, doit être sortie? Il y a trois mois qui lui est imposé. Un moment permis. Un moment recommandé. Et un moment interdit. Qui me cite ces trois moments-là? Jawaz, Wastihba, Watahim. Recommandé et interdit. Bismillah. Waqt al-Jawaz. Le moment autorisé. Qabl al-Salah. يوم العيد يوم او يومين. Avant le jour de l'Eid, dans le jour. هذا وقت جواز. Ça c'est le moment autorisé. الثاني وقت استحباب. C'est le moment recommandé. من صلاة الفجر يوم العيد إلى صلاة العيد. De la prière de fête du jour de l'Eid jusqu'à la prière de l'Eid. وقت تحريم. Le moment interdit. بعد صلاة العيد. Après la prière de l'Eid. فتح الله عليك. بعد هذا
بصلاة التراويح. صلاة التراويح قيام الليل، التهجد، كل ما يصلى من قيام الليل من العشاء إلى الفجر هذا يسمي تراويح، قيام، تهجد وما إلى ذلك. نعم. لما فهمت المصلحة قيام التراويح تصبح قيام التراويح لا فيه نوتيوم وضمون في صراحه وضمون في تقوي بعد العشاء جزك الفجر ونقل نصف أقل الوتر كم ركعة؟ كيرين الإمام جزء قيام الوتر أقل الوتر كم ركعة؟ نعم ركعة نعم خطأ نعم من يعرف أقل الوتر كم أخوة نعم الله تعالى هذا أقل الكمال أقل الكمال ثلاث ركعات المينيموم de la perfection de cette prière qui est vitale c'est trois unités de prière de la perfection plus parfaite minimum وأقل يعني القليل المينيموم du minimum ركعة قال الإمام أحمد رحمه الله من أحمد رحمه الله يتبع من ترك الوتر وهو يقدر عليه أي ركعة فهو مكسور لا تقبل له شهادة إمام أحمد إذا ترك الله صلى الله عليه وسلم جلس في قيام الوتر alors qu'il est capable de l'accomplir c'est une mauvaise personne on n'accepte pas son témoignage يعني ركعة ما يقدر عليها une seule de prière qu'il est capable de l'accomplir طالب علم l'étudiant, en sens religieux, doit absolument se rapprocher d'Allah à travers la prière suivante. Craignez Allah et Allah vous enseignera. Le minimum au niveau parfait, c'est 3 unités de prière. Le maximum, c'est quoi? 11 ركعة. الصفات الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الوتر. كسنة الرسول متى رفض الوفاة عليه الصلاة والسلام في صلاة القيامة. نعم. يصلي ركعتين ركعتين في الوتر الواحد. سوي في جزء كبير إلى الآخر في جزء كبير. يصلي ثلاث ركعات بتشهد واحد ليس في المغرب. Il fait 3 unités de prière consécutives qui conclura un tachado, pas comme la parole de la vie. Il fait 3 unités consécutives qui conclura avec un seul tachado. Donc il fait, ils peuvent faire aussi 5 unités de prière consécutives où il s'assira à la fin de la dernière qui conclura avec un seul tachado. يصلي 7 ركعات بالنسبة الأخيرة فقط. يقسم التكبير مسجدين ولكن يستغرق سؤال مع الأطفال تقول لهم كل ما بعد تشهد من أسفل تشهد بسيط. يصلي 9 ركعات بتشهدين يتشهد في الثاني ولا يسلم ثم يقوم للتاسع ثم إذا انتهى التاسع يجلس ويسلم. يقدر نفس التكبير مسجدين qui conclura avec 2 tachados. Le premier lors de la 8e assise, et après laquelle il se relèvera enfin la 9e de prière, et enfin la dernière de assise dans laquelle il conclura la prière par le tachado aussi. Quelle est la récompense promise de celui qui passe la nuit en prière durant le Ramadan? قام رمضان إيمانا واحتسابا وغفر له ما تقدم طيب ومن قام عنام حتى انصرف كتب له قيام ليل أحاديث كثيرة هل تشرع صلاة التراويح جماعة أم لا؟ في رمضان فقط أما في غير رمضان يصح أن تصلى جماعة في غير المساجد إذا كان هذا بغير اتفاق كما صلى ابن عباس رضي الله عنهما مع النبي صلى الله عليه وسلم أما إذا كان باتفاق هذا لا يصح كان نتواعد هذه الليلة نصلي نعم okay.
concernant la récompense, de nombreux hadiths qui ont été rapportés à ce sujet-là, comme celui que le frère a cité, quand il voit celui qui prie le mois du Ramadan avec fidèle conviction, ses péchés lui seront pardonnés, ou encore le hadith concernant celui qui prie avec fidèle jusqu'à ce qu'il quitte l'assemblée, la récompense d'une nuit entière de prière sera inscrite. Ensuite, je demande est-ce que cette prière, je vais vous en on l'a compris en groupe, on l'a compris tout seul. On l'a compris en groupe, elle est gestionnée en groupe durant le mois de Ramadan. Quant au fait de prier en groupe cette prière-là, en dehors du mois de Ramadan, ce n'est pas légitéré, sauf dans le cas où ça arrive sans qu'on se mette d'accord pour cela. Sans qu'on se mette d'accord pour cela, comme lorsque les personnes se réunissent au même endroit et que chacune d'entre elles se met à se le point de prier et qu'elles prient ensemble sans qu'ils ne le projettent. Quant à celui qui le projette au préalable, comme la semaine est d'accord pour prier ensemble en dehors du Ramadan, cette prière-là, ça n'est pas légitéré. Quel est le jugement de la retraite spirituelle? Quel est le jugement de la retraite spirituelle? C'est une tradition prophétique. Le prophète Ali a accompli régulièrement, fréquemment. Quand est-ce qu'on a accompli ces retraites spirituelles? Durant les 10 dernières nuits du mois de Ramadan. Quel est l'intérêt de cette retraite spirituelle? Le fait de rechercher activement la nuit du destin. Avec quoi il invoque Allah durant cette nuit? Parce qu'il a été rapporté. Oh Allah, tu es absolutaire, tu absous, tu aimes le fait d'absoudre. Alors, absolument le péché. Il se retire durant les 10 années du Ramadan. Est-ce qu'il lui est permis de se retirer plus des 10 dernières nuits? Non. Si quelqu'un ne peut pas se retirer durant les 10 dernières nuits, il ne peut le faire que durant une ou deux nuits, il peut faire cela, ce n'est pas possible. Où doit-il se retirer? Sur la sanctité. Question importante. C'est simple. Dans les mosquées, quelle mosquée? À la mosquée, أولى أن يعتكف في المسجد قبل الجمعة حتى يحفظ الخروج بصلاة الجمعة. نعم. في المسجد من الكل سوف يكون بلا prière en groupe ainsi que la prière vendredi afin qu'il ne soit pas obligé de devoir sortir de la mosquée dans le cas où la prière vendredi n'y est pas conclue pour la faire ailleurs. Donc de là que l'aïtikaf. Quels sont les actes qui ont mis la retraite spirituelle? Al-Jima. Le rapport charnel. Le fait de sortir de la mosquée beaucoup sans un besoin réel. Quelqu'un qui sort le matin, il va suivre un convoi funéraire, il va visiter un malade, il va faire d'autres choses que ce moment-là, et puis il vient seulement à la perte de temps. Est-ce qu'il doit sortir pour suivre un convoi funéraire ou pour visiter des malades? Non. Est-ce qu'il est sorti pour son besoin personnel? Celle dont il ne peut pas faire autrement. Donc comme quelqu'un par exemple ne trouve pas de nourriture pendant la retraite spirituelle et il ne peut en trouver qu'à travers le magasin qui se trouve proche de la mosquée, alors il sort pour acheter de la nourriture et il revient à la mosquée et dans ce cas-là il n'y a pas de mal, Inch'Allah. Par contre, s'il sort et qu'il fait une distance de 10 km parce qu'il y a un meilleur restaurant qui propose
de meilleurs choix. Là, il n'aura pas, comment dirais-je, accompli son besoin parce qu'il ne peut plus demander le plus minimum à côté de chez lui. Est-ce que la retraite spirituelle est valide en dehors de trois grandes mosquées? La mosquée sacrée de la Mecque, la mosquée sacrée de Médine et la mosquée de Jérusalem. الشيخ العزيز رحمه الله تعالى نعم يا سيدي الشيخ العزيز رحمه الله يزيد وما القول في الاعتكاف في قول النبي عليه الصلاه والسلام لا اعتكاف الا في ثلاثه مساجد Je vous entends dire au sujet de la parole du prophète, dans laquelle il dit qu'il n'y a pas de retraite spirituelle en dehors de trois mosquées. Soit le hadith en question est faible, si on dit qu'il est authentique, le sens qu'on donnera au texte sera qu'il n'y a pas de retraite spirituelle complète et parfaite en dehors de trois mosquées-là. والله أعلم صلى الله على نبينا محمد وعلى صحبه وسلم. يبقى معنا أن نختبر بعد صلاة المغرب. أبغي إن شاء الله شيخ بلغو تستي. نعم نسأل الكل. إذا كان هناك أسئلة متعلقة بالدرس تكتب حتى من النساء. وإن شاء الله تعالى يعني أسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق أن يعني عرفنا شيء من محتوى العلماء ذكرناه وإلا ترجع إلى الكتاب. Donc si quelqu'un a une question en rapport avec les cours qui ont été donnés aujourd'hui, qu'il les écrive sur une feuille, même si même de la part des femmes, et qu'il nous le fasse parvenir. Si Cheikh Abdelallah il a une connaissance à ce sujet par rapport aux parents précédents, il nous en fera pas. Sinon, il nous invite à revenir constamment pour avoir des réponses à ces questions. Et là, barakallah fi, turaji hatta tabal ba'd al-maghrib, wa kurna waqt al-asr muta'alliq bil dars. Donc, Allah nous bénisse, réviser jusqu'à l'heure de Maghrib afin que qu'on vous teste concernant les cours qu'on a évoqués ensemble et qu'on puisse répondre aux questions en rapport avec ces cours qu'on a pris aujourd'hui. Alhamdulillah.